Dans ce quatrain, Nostradamus va nous parler des Andes et nous faire la description du cataclysme. Il nous expliquera également que la Terre va s'arrêter en été, c'est-à-dire que le grand choc qui va se produire sur la planète va la ralentir. Il nous expliquera aussi que d'importantes chutes de neige vont tomber sur la planète. Dans ce quatrain, la présence de Nostradamus se manifeste. Il indiquera la renaissance de l'écriture et des prouesses de Dieu. Dans ce quatrain, il voit les eaux hautes. Il parle du drame qui va se produire dans le rond nord. Voilà ce que vous allez trouver dans ce quatrain. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Révélation du quatrain numéro 5 de la troisième centurie. Voici le quatrain numéro 5. Très loin des fautes de grands luminaires, qui surviendra entre avril et mars. Oh, quelle cherté, mais de grands débonnaires, par terre et mer, feux courront toutes parts. Voici maintenant le décryptage complet du quatrain numéro 5, selon le premier degré. Les applications de ces usages par ces dispositions dans l'ère des mots, maintenant en main seront les premières lectures, qui géreront l'époque de l'année des grandes Andes. J'ai donné cet art que j'ai eu de Dieu le divin. Pour les hommes, ce sera la connaissance de cette aide. Tu as su le défaut de ces notes. Tu as su le duo de Dieu et son aide pour les eaux que vous entendrez de très loin. Il y aura la neige de la Géhenne. Par cette loi, j'ai le pouvoir de présager. Proche de l'ère des mots seront ces usages qui deviendront la coutume d'expression pour les êtres qui connaîtront l'heure terrible. Moi, j'ai mis cet art en mars. En mars, l'ère des mots sera. Ils seront mon âme qui sera. Il faut trier la lecture de ces lettres. Là sera l'aveu du grand heurt pour la planète. Beaucoup de haines naîtront. De Dieu sera cet art de l'ère des mots. Les Andes donneront naissance à tes visions. Et là sera la certitude pour cette époque. Ton époque connaîtra la ruse de ce cryptage. J'ai eu les visions de ton époque et vu ces usages écrits résonner. Cette écriture renaîtra maintenant. Il fera bon d'avoir ce duo de Dieu. Par son aide sera gérée l'époque de l'année des grandes Andes, dont les décès ont été cédés par cet art. J'ai de Dieu le divin eu les deux coutumes d'expression et savoir son aide. Moi le mage, je suis présent, majesté. De tes thèses de la connaissance chère sera leur hache dans ce cryptage qui naîtra. Mon Dieu, que les eaux sont hautes. Le pouvoir par cet art, l'ère des mots sera râpeux. Il deviendra tes thèses et enfin ses écrits seront dits tout haut. Vous aurez par l'air du rond nord les eaux hautes parmi les jardins, les bergers, les lisières, les villes et les villages. Il faut savoir cela. Vous courrez dans les rues remplies d'eau. Elles seront haussées par la mer qui était limpide et maintenant pleine de branches, de fagots et d'écorces. Il faut semer les missions de mes heures et traiter l'époque de la planète. Cette terre dont les heures seront en été, la terre s'arrêtera de tourner. Voici le pouvoir par l'art des mots de mon compagnon, mon égal. Ici, Nostradamus affirme que la Terre va s'arrêter. Il l'écrit ouvertement également dans la lettre à Henri II, second. La planète va subir un grand choc, certes, qui va perturber les océans. Il est fort possible et même certain que celle-ci va diminuer en rotation. La reprendra-t-elle complètement? Là est la véritable question. La planète sera fortement perturbée et nous n'aurons plus des mois de 30 et 31 jours. Le cycle des saisons changera. Les récoltes également. Vous devez vous préparer à ces situations. Grâce à Dieu, nous sommes prévenus à l'avance. Maintenant, nous allons pratiquer le décryptage sur la ligne soulignée en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. Voici le résultat. En 1, les hommes auront cette connaissance et les heures de ces séries angoissantes. Votre air sera rasé et tondu. Ici sera la pleine mesure de l'ère des mots. Maintenant, vous aurez à Nîmes une année très animée. Il y aura des mouvements de révolte. Muette était la lumière de cette lecture laissée. Elle sera cédée par la donation de la narration de cet art. Les Andes recevront l'ère des mots. J'ai su avoir la volonté pour voir la menace avec l'aide de Dieu. L'aide pour ces notes que tu as alliées, tu as fait cette aide que tu as déniée au début. La Géhenne de neige sera niée. Un brouillard apportera des maladies. Ce nuage sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, le contenu des chaudières, les centrales nucléaires, les industries. Tout sera laissé. Les hommes connaîtront l'époque du danger de cette épée de Damoclès par les puissances qui pèsera sur la certitude de cette connaissance. Rien, ni gens, vous aurez en cette année-là. En deux,
Le pouvoir de l'air des mots et ses usages, où était scellée la haute loi, vous entendrez de loin les premières neiges de la GN. J'aide. Tu as les notes et les fautes t'aideront. Ce sera l'aide de Dieu le divin qui a fait ces deux coutumes d'expression. Où doit être géré l'air des mots, où sera inscrite la grande année des Andes. Les décès des êtres ont été scellés dans cette lecture. Elle sera la lumière mise pour les humains. En leurs mains sera l'époque de l'angoisse de cette époque. Ces expressions rapides seront le pouvoir de l'air des mots, proche de ses usages. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, le cryptage apportera les visions ici même qui feront la certitude que tu as l'air des mots, afin de survivre à cette vision de l'époque des gens des Andes, en leurs heures de drap mortuaire. De cette époque sera la durée de l'existence. Les haines naîtront sur terre et dans les airs. L'air des mots est réel, il sera le relais. Il faut avoir des havres, les havres sont des abris. Vraie sera cette lecture des lettres. En été sera mis le thème. Moi, de l'art de l'air des mots, j'ai fait ce cryptage. Par ces visions, sera l'issue de la survie. En 2, sera cet air des mots pour votre époque, où vous aurez des rames. En ayant l'âme pour mettre les thèmes, telle sera cette élection afin de te lire. Par ce livre vrai, sera l'angoisse de votre époque qui sera alertée de l'heure du grand heure de la planète. Par quoi on tiendra la naissance du néant. Sera dans cet art indiqué la durée de l'existence. En ayant cet art difficile pour lui redonner naissance, afin que tu aies de même nature le vrai air des mots. J'ai coutume faite, et j'ai serré. En ancien français, serrer c'est fermer. Le cryptage est serrer votre époque, où vous ramerez, seule l'âme l'ouvrira. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, ce haut cryptage sera la volonté de voir la menace, couverte d'un voile, où sera laissée la connaissance de leur hache, du grand hachi, les heures du grand heure. Tes thèmes, j'ai moi le mage, avoir mis les époques ici même. Ils seront cédés de Dieu par cette divine coutume de la connaissance. J'ai géré l'air des mots pour l'année des grandes Andes, des décès. Sera cédé de Dieu l'aide des bons. Les haines de vos époques seront angoissantes. L'air des mots sera élevé, ce cryptage sera la volonté de montrer la menace. Celle-ci était couverte d'un voile. En 2, les hommes connaîtront les heures de ces séries par l'air des mots. Maintenant, vous aurez les années de la haine des eaux à l'aube. De Dieu sera l'aide qui sera donnée par cette narration de l'art et de l'air des mots. J'ai su avoir la volonté de voir cette menace afin d'aider les hommes ici même. Maintenant, sciemment sera mon âme. En été, la terre sera heurtée. L'époque et leur hache sera dans cette connaissance scellée. Le cryptage élevé fournira les causes de ces eaux haussées. Les hommes connaîtront les heures en héritant ces séries et les années. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en bleu, selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, le pouvoir par cet art sera par l'air des mots. Votre époque sera en accusation car la terre sera en terreur en ces heures. En été seront tous tes thèmes où seront inscrits les heures de la mer. L'air des mots sera ce savoir-faire par ses cours de surdité. L'air des mots sera le secours de votre époque pour le grand moment du rond nord. Nettement, toutes tes notes seront dans les têtes au mois d'août. Tes thèses et les usages du principe devront être séparés. Sera ce pouvoir par cet art que la planète aura. En deux, sera la planète en son époque, tout sera par terre. Pièges, embûches, souricières et cachettes sont les rapeux pouvoirs des puissances dirigeantes du monde. Votre pouvoir est le PS. En été, vous aurez des votes. Cette connaissance sera une étude élevée. Les eaux seront hautes, tout au-dessus des têtes. La cause sera la haine du Nord. Cette eau sera dans les jardins, les vergers, les lisières, les villages et les villes. Maintenant, votre époque sera rasée, tranchée, effacée. Dans les rues seront les eaux haussées. La connaissance de cet effet fera une effrayante époque. Mes émissions seront remises en été. La terre sera en accusation à cause des rapeux pouvoirs des puissances qui ne sont que des pièges et des mensonges. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde.
je vous demande de faire connaître ces textes, et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.